me fais peur. Pas sans cri. C'est un kidnapping. Это невозможно. Нет, это невозможно. Когда это произошло? И скажите им, что это неправда. Андрей? Сукин сын. Сукин сын. Сукин сын. Что происходит? Анна Политковская, а это ассасины. Plein Moscou, dans son immeuble. Quatre balles dans la poitrine, une dans la tête. Ils étaient en endroit. Il y a des images de caméras de surveillance. C'est Anna. Ça, c'est un des assassins. Ils l'ont enfin eu. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday, Mr. Poutine. Le rédacteur en chef du journal d'Anna. Oui. Da? Da, Igor. Саренко перетупил у меня. Opposante déclarée au Kremlin, elle s'était fait connaître pour son travail sur le dossier tchétchène. Чеченской проблеме сейчас очень нужно международное звучание, международное влияние, если Cette grande reporter avait une aura internationale. Son travail était reconnu dans le monde entier. Elle travaillait pour le journal Novaya Gazeta, où deux autres journalistes ont été assassinés. Igor Dominikov et Yuri Shek... Ok, il y a beau tout. Non, c'est pas si bas. C'est pas si bas, Zafsio. Je pars demain pour Moscou. Je vais assister à l'enterrement d'Anna. Claire. J'ai peur. Je reste 2-3 jours, pas plus. Mais pourquoi aujourd'hui tu serais plus en danger? On a failli te tuer là-bas. Anna est morte. Moi, je n'ai pas peur. Claire. Andrei, fais attention à toi. Fais attention à toi. Moi, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Moi, je t'appellerai tous les jours, ok? Quelques milliers à être venus dans les cimetières en banlieue de Moscou, des collègues du journal, des militants des droits de l'homme, quelques personnalités de l'opposition, des diplomates occidentaux et des anonymes. Le Kremlin n'a envoyé qu'un vice-ministre de la culture et son monsieur droit de l'homme. Il est vrai que la journaliste assassinée était une opposante farouche de Vladimir Poutine, lequel a gardé le silence. J'ai vu les images à la télé. Je viens de chercher à l'aéroport demain. Tu me manques. J'ai envie de te voir. Claire, je dois rester quelques jours de plus. Pourquoi? Je veux savoir. Ça veut dire quoi, je veux savoir? André, qu'est-ce que tu comptes faire là-bas? Quelques jours, Claire. J'ai besoin de quelques jours. Ça fait 8 jours que j'arrive pas à le joindre. 8 jours, plus personne n'a de nouvelles.
Il devait prendre son avion avant-hier et... Oh, j'angoisse. Claire, t'es en contact avec quelqu'un sur place? Ouais, avec Igor Salenko de Novaya Gazeta. C'est le journal d'Anna. Igor, c'est son ami, on communique tous les jours. J'ai essayé de joindre ses parents, pas de réponse. J'ai vérifié ses comptes, il a effectué un retrait de 5000 euros. 5000 euros? Waouh! C'est une somme, ça. André, il a été journaliste là-bas, il connaît son pays. Arrête de t'inquiéter comme ça, je suis sûre qu'il va finir par donner des nouvelles. J'en peux plus d'attendre. Алло, кто это? А вот ты? Да, сегодня нет, сегодня не получится. Сегодня нет, сегодня не получится. Сегодня нет, сегодня никак. Ты что, не понимаешь? Нет, сегодня никаких вопросов не решается. Будет все завтра. Сюда. Спасибо. Это ты, ее красавчик. Что-то мы давненько его не видели. И она из Парижа. Ты какой тебе? Excuse me, my room has been, André Karpov's room, the room 1207, is completely devastated. You understand me? Пожалуйста. My room, the room 12... В чем дело? Почему не позвали меня? Черт знает, что происходит! I'm sorry, the room 1207... Мадемуазель, je peux vous aider? La chambre de mon compagnon a été fouillée, c'est évident. On vous a rien signalé? La chambre d'André Karpov, mon compagnon. Vous me comprenez? Parfaitement. Si vous voyez la chambre de ma fille, vous pouvez penser aussi qu'elle était fouillée. Non, mais c'est incroyable. Tout le monde peut rentrer dans une chambre comme ça? Parce que Monsieur Karpov ne le demandait. Il ne voulait pas qu'on dérange ses affaires. Je vais envoyer quelqu'un... Monsieur Karpov, vous l'avez vu quand pour la dernière fois? Je ne sais pas, il a un bon moment. Mademoiselle, excusez-moi. Немедленно пошлите кого-нибудь прибрать в номере 1207. Уважаемые дамы и господа, напоминаю вам, что обзорная терраса нашего ресторана открыта и ждет вашего посещения. О, нет, нет, нет. Нет! Извините. I do. Извините. Окей? Спасибо.
vas? Oui, maman. Ça va? Non, je viens juste d'arriver, là. Ouais. Non, je la retrouve tout à l'heure. Mais je peux te rappeler plus tard? Ah non, tout va bien. Oui, je t'assure, tout va bien. À tout à l'heure, maman. On va. Karpov, laissez un message après le. Huit nuits, 880 €, plus 75 € les extras de Monsieur Karpov. Pas bien? Ajoutez-les. Oui. Un dîner pour deux personnes le 11 octobre, vous êtes sûr? Absolument oui. Vous vous rappelez de la personne qui a dîné avec lui? C'est important pour moi. C'était un homme? Une femme? Signé ici. Mademoiselle Chambon, nous n'espionnons pas nos clients. Profitez de Moscou, c'est une ville somptueuse. Igor Salenko. Ah, ei, está. Документы ваши? Да. Проходите, пожалуйста. Третий этаж. Проходите. Проходите, пожалуйста. А, спасибо. Le Chambon. Igor. Igor Salenko. Bonjour. Bonjour, père. Merci. André n'a pas été arrêté. Il n'a pas eu d'accident. Police, prison, hôpital, j'ai tout fait. Même les hôpitaux psychiatriques. Mais qu'est-ce qu'André cherche exactement? La même chose que nous. Qui est derrière l'assassinat d'Anna? Mais pourquoi il ne vous tient au courant de rien? Peut-être qu'il craint de se faire remarquer. Et surtout, il ne voyait pas d'un bon oeil une autre collaboration avec le parquet de Moscou. Как вам этот вариант?
Попробуйте еще раз с первой фотографией. Сделайте ее такого же формата, как вторую. Отлично. Через полчаса все будет готово. On lance un appel à témoins pour retrouver le tueur. Un des actionnaires du journal offre $1 million pour toute information permettant de l'identifier. Vous parliez du parquet de Moscou? Oui. Quelqu'un mène l'enquête pour le compte du journal en collaboration avec le parquet. Yuri Ivanov. C'est un ancien général de l'armée. Il a souvent travaillé avec Anna sur la Tchétchénie. Je pourrais peut-être le rencontrer. On ne rencontre pas Ivanov comme ça. En attendant, je vous ai préparé une liste de personnes qu'Andrea a également rencontrées. Vous pouvez les appeler de ma part. Vous aurez besoin d'une traductrice. Людмила. Карпов? Окей. Простите, где квартира Карпов? Квартира Карпов? Да. Секундочку. Квартира Карпов вниз, вниз, на первом этаже. Вниз. Вниз. Первом этаже. У Андрея такая красивая жена. Иди принеси печенье. Нет? Хорошо. Попробуйте мои огурчики. Вам понравится. Мама. Да. Мама, перестань ради бога. La dernière fois qu'on a vu mon frère, c'était le 15 octobre. J'ai essayé de vous appeler, mais le téléphone ne marche pas ici. Téléphone collectif, cassé. Я знала. Знала, что ему не надо было возвращаться. Мама. Вы знала. Мама! C'est toujours pareil avec lui. Mon frère critique le pouvoir et nous on subit. Depuis qu'il est parti, j'ai perdu mon poste de chercheur à l'université. Maman ne touche plus aucune pension depuis 3 ans. Qu'est-ce qu'il avait besoin de revenir pour faire une enquête sur Anna Politkovskaya? C'était peut-être une femme formidable, mais bon. Tu sais ce que les gens disent ici? Qu'elle l'avait bien cherchée. Et ce que le rendait aussi dur, c'est qu'elle n'avait pas de vie personnelle. Позволишь ей уйти посреди ночи? Это же жена Андрея. Ты с ума сошел, что ли? Клэр, ты pars pas. C'est dangereux la banlieue la nuit. Tu restes dormir ici. Татьяна. Татьяна. Федор with... Oui. Федор с подругой. Это Андрей. Андрей? Да. Да. Андрей тоже. Андрей. Это было давно. Это Татьяна.
Juliette Maroz. Это Андрей. Ludmila ? Oui ? Bonjour, Claire Chambon. Bonjour. Excusez-moi pour le retard, je me suis perdue dans le métro. Ne vous inquiétez pas. Venez. Trois noms différents pour une station, des couloirs sans fin, il y a des passe-perte. Все друзья были там вместе. Мы долго сидели, разговаривали. Вот и все. А потом? Он вам звонил, вы виделись? Нет. Non, il ne sait rien. Il n'a pas revu André depuis l'enterrement. Ну, спасибо. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Voici la radio Écho de Moscou. C'est un des derniers bastions de la liberté d'expression en Russie. Minute от метро Смоленская. Низкая цена, высокое качество. Rappelez-moi comment on dit enchanté. Очень рада. Очень рада, bien sûr. Merci. Привет. Здравствуй, Сергей. Как ты? Спасибо, что принял нас и нашел для нас время. Это Клэр. Познакомься, пожалуйста. Очень рада. Это жена Андрея. Очень рад нашей встрече. Я очень уважал Андрея. Он был моим другом. Il est ravi de te rencontrer. Il a beaucoup d'estime pour André. C'est un ami. Последний раз мы встретились на похороне Анны. С тех пор от него никаких вестей. La dernière fois, il a vu à l'enterrement d'Anna. Depuis, aucune nouvelle. Я подумаю, как мог бы вам помочь. Поговорю с коллегами. Il va réfléchir comment t'aider. Il va parler à ses collègues. Когда мы с Андреем занимались специальными расследованиями, пропадали на несколько дней, никого не извещая, но всегда мы возвращались. Quand il faisait des enquêtes un peu sensibles avec André, il disparaissait pendant des jours, sans donner aucune nouvelle, mais ils sont toujours revenus. Чай, кофе? Да, пожалуйста, спасибо. Спасибо, Сергей. Надежда, ça veut dire espoir. C'est une association de défense des droits de l'homme dans le Caucase. Mais si elle ne sait pas où est Andrei, pourquoi elle veut me rencontrer? Je ne sais pas. C'est elle qui a insisté. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас встреча с Тамарой. Да? Вот она. Тамара Андреевна? Да. Здравствуйте. 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 Это я, Людмила. А это Клэр Шамбу.
Ta mère? Claire. Je croyais qu'André était rentré en France. Je ne me doutais pas qu'il s'était lancé dans une enquête. Vous connaissez André depuis longtemps? Plusieurs années. Depuis quand vous n'avez plus de nouvelles? Depuis plus de 10 jours. Et vous, quand est-ce que vous avez vu André pour la dernière fois? Le lendemain de l'enterrement, on a dîné en tête-à-tête à l'hôtel Mire. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais il avait à peine le temps de m'appeler. Excusez-moi, j'ai vu des photos de vous deux hier chez ses parents et... On s'est séparés quand il a quitté la Russie. Chacun a refait sa vie. Il m'a parlé de vous, de son envie de vous épouser, de vos projets, de votre aide dans l'écriture de son livre, de son amour pour vous. Si j'ai insisté pour vous rencontrer, c'est pour vous proposer mon aide. Nadiejda a des collaborateurs dans toute la Russie. Je peux vous aider à vous déplacer ou à entrer en contact avec qui que ce soit. Je suis là, avec vous. Je vous soutiens. Merci. C'est pas si bas. En tant que journaliste, tout ce que je peux faire est de constater les faits. Mais les faits sont durs. Je voudrais parler à André Karpov. Non, André n'est pas là. Qui est à l'appareil? Je suis sa femme. Qui êtes-vous? The number is not available at the moment. Please try again later. Vous rencontrez Monsieur Ivanov dans une heure. Où? Ici? Non. Je ne sais pas encore. Je suis Ivanov. J'ai pas beaucoup de temps. Vous excuserez mon français. Merci de me rencontrer. J'ai interrogé tous mes contacts. Personne n'a vu André depuis 10 jours. Alors, soit il garde le silence parce qu'il a besoin pour son enquête, soit il est forcé. Je préfère croire à la première hypothèse. Je comprends qu'il soit bouleversé par la mort d'Anna.
Mais il a tort d'agir seul. Il se sent coupable d'avoir quitté la Russie, alors qu'Anna, elle, est restée. Mais pourquoi a-t-il refusé de collaborer avec vous? Parce que nous avons accepté de travailler avec le parquet de Moscou. Andrei est persuadé que le parquet désignera un commanditaire qui n'a rien à voir avec le vrai coupable. Si j'apprends quoi que ce soit, je vous promets de vous en faire part. C'est tout ce que je peux faire pour vous. Et moi, j'attends votre coup de fil dans ma chambre d'hôtel? Mais je n'abandonnerai pas, Andrei. Vous êtes une petite Française qui débarque ici sans rien connaître de la Russie. Je vous déconseille de continuer à chercher. Ludmila? Oui, bonjour, c'est Claire. J'ai besoin de vous. Vous savez comment s'appelle le juge chargé de l'enquête sur Anna? Oui? Встретиться с судьей Лимоновым. Если вы не журналистка, то это невозможно. Простите. Elle est désolée, mais si tu n'es pas journaliste, tu peux pas rencontrer le juge Лимонов. Вы слышали? Это невозможно. Impossible. Mais qu'elle prenne au moins mon nom. Пожалуйста, запишите ее имя. Ее же зовут Клэр Шамбон. У нее несчастье, у нее пропал муж, понимаете? Если у вас пропал кто-то близкий, вы должны обратиться в милицию, не к суде. Elle dit que si ton mari a disparu, il faut voir la police, pas le juge. C'est des bureaucrates. C'est la réponse typique. Non mais c'est quoi, c'est une merde! Administration la con, va! Claire! Mais Ivanov qui me dit qu'un moment de rentrer en France! Claire, ici, rien n'est jamais simple et tout est verrouillé. Et on ne se frotte pas au pouvoir comme ça. On va utiliser Nova et Gazeta, Echo de Moscou et ça va marcher! Il vit en France depuis 4 ans et il est revenu à Moscou pour l'enterrement d'une amie. Он живет во Франции уже 4 года. В Россию вернулся на похороны близкого человека. Анна и Политковская, можете это сказать? Tu peux le dire. Oui, l'enterrement d'Anna Politkovskaya. Physiquement, il est brun, les cheveux courts, les yeux marrons. Et il est grand, une allure assez sportive, plus d'un mètre 80. Ah, il a un signe particulier, il a une longue cicatrice le long du bras droit. У него тёмные волосы, карие глаза, спортивного телосложения. Рост примерно 1,85 м. Особая примета – шрам по всей длине правой руки. Фотография Андрея Карпова уже сегодня вечером будет помещена на сайте радио «Эхо Москвы». Claire, are you okay? Claire? Ah, j'ai peur. J'y arriverai jamais. Je peux pas le retrouver, je suis nulle. Claire, patience. Ils ont reçu des dizaines d'appels et de mails après l'émission. Oui. Une piste va émerger, forcément. Oh, excuse-moi pour tout à l'heure, je me suis énervée. Ne t'en fais pas. Dis-moi plutôt, comment t'as rencontré Andrei? Andrei? Je l'ai rencontré chez une amie à moi, une prof de russe. Au début, je trouve qu'il buvait trop. Alors, j'ai pas aimé. Et puis après, il a commencé à me parler de lui, de son pays, de son travail. Et là, j'ai compris que j'allais tomber amoureuse de lui. J'avais une vie plutôt tranquille. Mais c'est ça, c'est pour ça que j'aime Andrei, tout son côté russe, son côté fonceur. Rien l'arrête. Rien l'arrête.
À toi. Ah non, à toi. Non. Ah non, Людмила, за твоё здоровье. На здоровье. На здоровье. Non, mais comment vous faites? Toi, Salenko, Sergueï, regardez votre calme. C'est notre vie. On est nés ici. C'est notre vie avec ses règles, ses dangers, ses enjeux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut en rire. Rebondissement spectaculaire dans l'affaire Anna Politkovskaya. Alexandre Litvinenko met directement en cause Vladimir Poutine. Я прекрасно знаю, что в России журналиста уровня Анны Политковской может убить только один человек. Это Путин. Je reste totalement convaincu qu'une seule personne en Russie est capable de tuer quelqu'un de la notoriété d'Anna Politkovskaya. Et cette personne, c'est Vladimir Poutine. Qui est là? Ouvrez. Mais dites-moi d'abord qui vous êtes. Un ami d'André, ouvrez. Où est André? Comment ça? Où est Andrei? Où se cache-t-il? Mais il se cache pas, il a disparu. Ah, il a disparu. Il a disparu. Je viens de faire un appel à témoins à Code Moscou. Je sais pas où il est, ça fait des semaines que je le cherche. Qui êtes-vous? C'est moi qui ai appelé. Il me doit de l'argent. En échange de quoi? D'informations sur Anna Politkovskaya. Je vous jure, je sais pas où il est, je vous l'ai déjà dit. C'était quoi ces infos? Vous avez de l'argent sur vous? Je peux. Vous vous moquez de moi? Je peux pas tirer plus. Je vous écoute. Придет Алексей, он сделает то же самое, но ты ни слова, понял? Claire Chambon, française, domiciliée à Saint-Denis, enseignante.
Peut-on savoir ce que vous faisiez en compagnie d'un agent du FSB? Ex-KGB. Un agent du FSB? Mais je savais pas que... Vous l'avez laissé entrer dans votre chambre sans savoir ce qu'il était. Il disait être un ami d'Andrei. Qui est? Andrei Karpov, mon compagnon. Je suis à Moscou pour le retrouver. Il a disparu. Il est russe? Oui. Il fait quoi, votre compagnon? Il est journaliste. Journaliste, intéressant. Il vit en France? Oui. En exilé. Il a disparu dans quelles circonstances? Il fait une enquête sur Anna Politkovskaya. Ça gagne combien un professeur de collège en France? Non mais attendez, je viens de voir un homme se faire tuer devant... Je veux voir un représentant de l'ambassade de France. Ça gagne dans les 1800 euros. 1500 euros, c'est donc une somme pour vous. Qu'est-ce que vous avez acheté à l'agent du FSB pour ce prix-là? Rien. C'est l'argent que lui devait mon ami. Je reformule ma question autrement. Qu'est-ce que votre ami a acheté à l'agent du FSB? J'en sais rien. Vous n'avez pas parlé d'Anna Politkovska avec lui? Non. Mais qu'est-ce que vous me reprochez? De toute façon, votre ami perd son temps. Le coupable, on le connaît. C'est Vilzovski. Vous savez ce cochon de milliardaire, réfugié à Londres? Il a fait assassiner Politkovskaya pour déstabiliser le régime. Il paiera un jour tout le mal qu'il fait à la Russie, comme tous les autres. Comme Anna? Comme son ami, Litvinenko. Bonjour, mademoiselle Chambon. Je peux savoir de quoi on m'accuse? De rien, rassurez-vous. Vous serez bientôt libre. Mais en tant que témoin principal de meurtre d'un agent du FSB, vous devez rester à la disposition de la police et ne pas quitter Moscou. Je suis Yuri Limonov, juge d'instruction. Vous voulez me voir au sujet de votre compagnon André? Si je peux vous aider. Vous avez rencontré André? Il a refusé. Dommage.
car notre collaboration aurait été une protection pour lui. Peut-être vous pouvez me mettre sur une piste, une direction dans laquelle je pourrais chercher. Je suis désolé. Vous comprendrez que le secret de l'instruction m'en empêche. De toute façon, je viens d'apprendre que j'étais dessaisi de l'enquête. Одного контролера, он проверял Андрея в поезде Москва-Ростов. Практически это въезд в Чечню. Beaucoup de gens pensent avoir vu André un peu partout en Russie. Mais seuls deux témoignages semblent vraiment fiables. Le premier est celui d'un agent qui aurait contrôlé André dans un train en direction de Rostov. C'est la porte de Tchétchénie. En Tchétchénie. Son enquête l'a amené en Tchétchénie. Quant au deuxième témoignage, un auditeur affirme d'avoir vu André plusieurs fois dans une salle de jeu en ville, en compagnie d'un certain Dimitri Raïchev. Hello. Sorry. Dimitri Raïchev? You know? Raïchev, no. Dimitri? You know? No. Нет, нет, я не знаю его. Извините, у вас огонька не найдете. Андрей мне дал $1 million офер пар новая газета «Контр Ронсеймон». En échange, je le branchais sur mes contacts. Très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait aller en Tchétchénie. Tout part de la Tchétchénie. Oui. On pense qu'il n'y a pas un, mais deux commanditaires qui se sont associés. Ce sont des militaires proches du premier ministre tchétchène, Kadyrov, mis en place par Poutine. Kadyrov? Tout le monde a peur de lui. Andrei est là-bas. Il est parti à Grozny le 27 octobre. Le 28, le lendemain, il a rencontré un de mes contacts sur place, Dudaev. Mais depuis, plus rien. J'ai longtemps cru qu'il voulait me doubler, m'arnaquer. Mais maintenant, vous êtes là. Je veux rencontrer ce Dudaev. Vous comptez aller en Tchétchénie? Vous avez des enfants? J'ai servi en Tchétchénie, en première ligne. J'ai vu beaucoup de choses. Et je fais des cauchemars toutes les nuits. Toutes les nuits. Yeah.
peux vous aider? Андрей est en Tchétchénie. Продолжим позже. Сейчас можешь нас оставить. Спасибо. Excuse me. Bien sûr. Il n'est pas passé par notre réseau. Je l'aurais su. Je suis censée ne pas quitter Moscou, mais si je décide d'y aller, vous m'aidez à passer clandestinement? En Tchétchénie? Vous m'avez proposé l'aide de votre réseau. Vous parlez russe? Tchétchène? Vous êtes journaliste? Non, vous n'êtes pas journaliste. Vous ne connaissez pas le pays. Attendez, Андрей, ici, à Moscou. Welcome to Chechnya. Ce n'est pas du côté de Poutine qu'il faut chercher, mais du côté de la Tchétchénie. Voyez ces villageois qui ont été exécutés. Voilà comment Kadyrov essaye de prouver au monde entier qu'il lutte contre le terrorisme. Doudaïev, ça vous dit quelque chose? Qui vous a parlé de Doudaïev? Андрей l'a rencontré en Tchétchénie. Apparemment, Doudaïev connaît l'identité des commanditaires. Deux militaires haut placés. Как по-французски их повесили? Les deux militaires ont eu une promotion. Au lendemain de l'assassinat d'Anna. Et mon problème aujourd'hui n'est pas l'identité des commanditaires. Je cherche des preuves. Tamara va m'aider à passer clandestinement. Vous avez vu ce dont ils sont capables? J'ai pas le choix. Décision est prise? Plus que jamais. L'amour. Dimitri, ты идешь, черт побери? Подожди, я разговаривал с этой француженкой. Андрей s'était engagé à me tenir au courant de ces informations. Je vous demande la même chose. Si vous revenez. Non, j'espère bien que vous reviendrez. Comment je joins Doudaïev sur place? Passez me voir ici de votre retour, d'accord? Bonne chance. Moi, je vais tenter la mienne. Rouge.
enfin en sécurité ici. On me répète souvent, nous ne pouvons rien contre les Tchétchènes. Tous ceux qui se trouvent ici savent qu'on ne peut rien contre eux, si ce n'est les tuer, les humilier, les écraser. Et l'on tue, et l'on humilie, et l'on piétine. Puis on finit son service, on rentre chez soi, et l'on tue de nouveau, pour imposer sa volonté à un autre. Tu devrais arrêter. Là, maintenant. C'est un signe. Anna, on a essayé de l'empoisonner. Ça n'a pas marché. Alors, une balle dans la tête et l'affaire a été réglée. Claire. Tu vois? Les gens viennent déposer des fleurs devant son immeuble. Quelques jours avant sa mort, Anna s'est sentie épiée. Elle l'avait dit à son fils Ilia. Elle était très vigilante d'habitude, mais elle s'était relâchée à cause de ses soucis familiaux. Pourquoi aujourd'hui? J'ai besoin d'elle. J'ai besoin de sa force. Vous partez demain. Tout est prêt. Après Rostov, quelqu'un s'occupera de vous jusqu'à Kislovodsk. Et de là, une deuxième personne jusqu'à Grozny. Vous allez suivre scrupuleusement toutes les instructions que je vais vous donner. Sur place, ne vous fiez qu'à notre contact. Si on vous adresse la parole, ne répondez pas. Ne parlez jamais en français. OK? Это он идет через Кишмир, не через Берс, да? Ну ладно. Пожалуйста, один билет Ростов. Ростов-на-Дону? Да. Вам на какое время? 17.20? 7. 1076 рублей 77 копеек.
документы. Я, Клэр. Да. Mes rencontres ont coûté la vie à plusieurs personnes. Je suis restée en vie. Mais n'est-ce pas au prix de la vie des autres? Ne les ai-je pas poussés sous les mitraillettes des militaires? Involontairement, bien sûr. Que dois-je faire? Continuer pour que leur mort ne soit pas en fin de compte inutile. Ну что там с Омаром Аслановым? Пропускать? И как же такие, как ты, уроды, находят таких красавиц? И? Езжай. Чеченцы.
Здравствуйте. Умар, спасибо тебе, поблагодари родителей и вашего председателя. Бог вам на помощь. Аллах хасаевам. Бонжур, Клея. Бонжур. Жюси Мишель. Вене? Vous avez vécu en France? J'ai fait une partie de mes études en France et j'ai été marié pendant 30 ans à une Parisienne. Vous permettez? Ah. Alors, vous avez mangé? Allô? Ah, здравствуй, Николаев. Да, это я, Михаил. Что? Да? Спасибо большое тебе, Николаев. Спасибо. Vous allez devoir être courageuse. Votre ami, on l'a retrouvé cette nuit sur un terrain vague. Non, non, il n'est pas mort. Mais son état est très grave. Il a été torturé. C'est mon ami, le docteur Nikolaev. I'm sorry. Your friend is dead. I assure you, we did everything possible, but it didn't help. I want to see you. Là, je t'ai retrouvé. Mon amour. Claire, la police arrive. Il faut partir. Je vous en supplie, venez. Vite. Soudain, soudain.
Здравствуйте, ребята. Я заведующий этой больницы. Vous êtes ici? De Saint-Pétersbourg. Mais ça fait 40 ans que je vis en Tchétchénie. J'étais géologue. Je cherchais le gaz, le pétrole. Tamara m'a dit que Anna Politkovskaya venait se cacher ici quand elle était à Grozny. C'est vrai. Elle dormait dans la même chambre que vous. Vous étiez amis? Depuis la première guerre de Tchétchénie en 94. On a souvent ri ensemble. Souvent pleuré aussi. L'image que je garde d'elle va vous surprendre. Quand elle partait dans les montagnes, elle risquait souvent sa vie, mais le plus étonnant, c'est qu'elle restait toujours extrêmement coquette, élégante. Si j'avais 20 ans, certo, je prendrais les armes et je me battrais contre les Russes, contre ce salaud du Kadyrov. Высокопоставленным, располагающим доказательствами о личностях заказчиков. Il a mis André en relation avec quelqu'un de très haut placé, un militaire, qui a les preuves sur l'identité des commanditaires. Ensuite? И что? Ничего. Андрей не успел встретиться с ним. В тот же день он пропал. Всего-навсего он был похищен. Selon lui, André n'a pas eu le temps de le rencontrer. Il a disparu le jour même. Je veux rencontrer cette personne. Можно она увидеться с этим человеком. Зачем ему встречаться с вами? Pourquoi il vous rencontrerait? Pour qu'André ne soit pas mort pour rien. Pour lui. Pour aller au bout de son enquête. Pour Anna Politkovskaya. Tout ce que je pourrais apprendre sera remis à Ivanov, de Novaya Gazeta. Il est le seul à pouvoir faire éclater la vérité. Hey, man, I'm...
А Ваша, не дотрагивайся до нее. Ты будешь помнить меня. Don't look at the ash! Don't look at the ash! Look at the ground! Look at the ground, bitch! Back for mercy! Back for mercy! You like it? You like it? You wanna die? Ready to die? Are you ready to die? No, no, no! No, no! Don't kill me! Don't kill me! No! No! If you don't want to end like your friend, go home. Надо позвонить в милицию. Ментовскую надо вызвать. Давай, бери. Поднимаем. Что, что? Vous êtes entré clandestinement en Tchétchénie pour y faire quoi? Je cherche mon compagnon, Андрей Карпов. Я искал своего друга Андрея Карпова. Журналиста? Он умер. Разве вы не знали? Журналист? Il est mort. Vous ne savez pas? Сердечный удар. Вот так бывает. Crise cardiaque. On a peu de choses. Не делайте из меня дурака. Il n'aime pas qu'on se foute de lui. Vous êtes allé à l'hôpital et vous savez parfaitement qu'il est mort. Alors, qu'est-ce que vous cherchez encore à punir comme lui? Иностранец, это другое дело. Завтра утром отправим вас. On va vous rapatrier demain matin en Moscou. On ne veut plus de vous ici. Tu me regardes dans les yeux, non? Regarde-moi! C'est Doudaïev qui m'a prévenu. J'avais préparé ça pour André. Maintenant, c'est à vous. Tout est là. Les preuves sur l'identité des commanditaires. La complicité du FSB. Ivanov saura quoi en faire. Pourquoi vous faites ça? Vous êtes un peu mon assurance vie. J'imagine. Juste une seconde, attends. Yes, don't worry, we'll be at the press conference in half an hour, okay? Excuse-moi, écoute, vraiment, tu fais comme chez toi. J'ai utilisé ton ordinateur pour regarder les documents. C'est trop compliqué, Ludmila, j'ai besoin de toi. Ivanov arrive. J'arrive d'ici une heure. À très vite.
Salut. On dirait que vous m'avez oublié. Hein? Désolé pour André. Vous aviez promis de partager les informations. Écoutez, je viens juste d'arriver. On enterre André demain. Moi aussi, je dois vérifier mes informations. Avec Monsieur Ivanov, hein? Il n'y a même pas beaucoup le changement de programme de dernière minute. Sans moi, vous n'auriez jamais rencontré Dudaïev. Dura, donne-moi cette putain de clé USB qu'on en finisse. D'accord? Dimitri, je vous jure que... Novaya Gazeta offre $1 million pour toute information décisive. Certaines personnes en offrent le double. Mon choix est fait. C'est encore mon jour de chance, non? Elle a pris beaucoup de risques. C'est déjà un miracle qu'elle soit en vie. Спасибо вам. Спасибо вам за все. Позаботься о ней. Il y avait toutes les preuves, j'ai pas tout compris. Mais... Il y avait la preuve sur l'identité des commanditaires. Les deux militaires tchétchènes. La confirmation qu'une semaine avant la mort d'Anna, une cellule du FSB l'avait mise sur écoute. J'ai vu aussi des documents avec des sommes d'argent, des plans de l'immeuble d'Anna, je crois. Il y avait tout sur cette clé. J'ai tellement cru pour André. Et pour Anna. J'ai raté. Mange. Non, je sais pas faim. Tu sais, dans ce pays, il y a des gens. Ils sont pas nombreux, mais ils existent. Et ils continuent. Ils enquêtent. Ils dénoncent. Ils cherchent. S'il te plaît. Спокойся, храняя их или его, уважение жизни также... За Сталином, Рузвельтом и Черчиллем. И спрашивает, почему на снимке нет Де Голля? Вдруг заявляет, потому что он фотографирует. Как же мы смеялись. Особенно учитель. Парль Д'Андре, quand il était adolescent. Il s'est moqué beaucoup de ses professeurs, il faisait des blagues. Les deux frères riaient ensemble beaucoup. Ils écoutaient les Rolling Stones et Bob Marley. C'est la Russie des années 80. À André, mon frère bien-aimé.
et à Claire, sa jeune femme.